Salut, salut, c'est Mika, comment allez-vous les amis? Pour ma part, ça va très très bien, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2017. Et aujourd'hui, on est tout simplement, du coup, en gendarmerie, du coup. Et pour le coup, on est sur la carte du serveur. Donc, n'oubliez pas de checker la description, soit sur ma page Facebook, soit... Enfin, du coup, sur ma page Facebook pour retrouver la page, soit directement sur le lien, du coup, pour atterrir sur leur... Discord. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, bien évidemment, avant toute chose, de partager, de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, bah, nous, on est parti du coup. Allez, go. On va juste aller se prendre une petite. Pas une petite bière. On ne boit pas pendant le service, les amis. Encore une fois, ce n'est pas bien l'alcool. C'est pas très très bien. Du coup, on va prendre un Takivalki, du coup, donc nous on sera à la PAM 01 hein, pour le coup, pour ce soir. Salle de réunion, c'était bon. On n'avait rien besoin de faire de plus. On va fermer ici, tac. Hop, on va prendre ce qu'il faut. Et puis on va y aller tranquille, hein. Hop, on va fermer tout ça. C'est pas non plus la fête au village, à tout ouvrir. Alors je vais vous montrer donc où petite gendarmerie, alors elle est assez, assez enclavée, donc au niveau de l'accès faut pas se louper. Mais voilà, c'est la gendarmerie du coup nationale ici. Donc on a une petite brigade. Hein. On a plutôt plus de 300 000 véhicules. Hop, hop. Donc ça passe de la Mégane Estate je crois. Aux deux travelers du coup, voilà. Nous déjà aujourd'hui on va tourner avec la Mégane et puis après on reviendra, on prendra le Traveler du coup. Hop, on va déjà la sortir. On est d'où? La petite Mégane. On va faire une petite photo quand même. On n'est pas comme ça. Alors, je sais pas si ça a pris, si, c'est bon. Ça a pris, allez, Zouk. Allez, c'est parti. Il va se mettre ici, on va essayer vite fait juste tout. Hop, les gyrophares, c'est bon. On est pas mal. On va essayer les feux de protection. Si c'est bon, ça a pris aussi. Ok, parfait. Loup de ton. Le warning, c'est bon. Ok. Tout bon. Ok. Là, on avait tout fermé, c'était bon. Là aussi. Ok. Du coup pour PC du coup PAM 01 prend du coup affectation sur la commune. Si besoin d'informations ou renfort, n'hésitez pas. Allez, on y va. Ah, un petit truc avant parce que j'ai. Je l'ai fait mais je l'ai oublié de le remettre. Hop. Ce sera beaucoup plus sympa, vous verrez. Avec de la circulation. Allez, nous on y va, on y va, on y va. Alors les gens ont... Alors dans cette ville, j'ai remarqué que les gens avaient une envie forte de marcher pas sur les trottoirs mais plus sur la route. Je crois qu'ils aiment plutôt ça. Il n'y en a aucun qui marche sur les trottoirs. Alors Dieu sait que ça a été... Ça a été inventé pour les piétons. Regardez ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, la civilisation, ah, zéro. Il y a lui à me dire qu'il va pas tourner. Ah oui, forcément. Alors qu'il avait largement la place. Ah, les petites vues intérieures, alors celui-là il est pas forcément très joli, hein, mais... Tac. On va passer par là. Tranquillement, donc petite commune, un hôpital, une poste, une caserne de pompiers, du coup une caserne de gendarmerie, un petit hôpital de campagne j'ai envie de dire. Donc là c'est la caserne de pompiers du coup.
Pas mal 0M du coup pour PC, je vais demander au niveau du centre-ville pour aller effectuer un visuel sur un véhicule garé sur un endroit non autorisé. Reçu. Ah, et PAM 01 bien reçu, nous rendons sur place. Allez, on va aller voir. On va pas activer toutes les sirènes et tout le soin de soin. Je vais pas vous mentir. Ah, ça va être ce véhicule-là du coup. Allez, on va se mettre là. Même pour la mégane, c'est compliqué. Ça passe. Bon, ça c'est bon. On va se mettre là. Je bloque pas une entrée si. C'est pas grave. On se met ici. Hop. Allez, hop. Ouais, PAM 01 du coup arrivé sur place, on va prendre contact avec le requérant et voir si le véhicule. Enfin c'est déjà si le requérant est là et puis on fera le nécessaire par la suite. Hein. Ok, alors il vient d'arriver de toute façon vu les traces bien fraîches. Ça va pas faire longtemps qu'il va être là. Je vais faire un tour juste à côté, voir s'il est pas là par hasard. Sinon on fera un petit tour dans le centre. Tu allais sonner. Là, bonjour. C'était voilà, c'était juste le gendarmerie pour savoir le véhicule qui est garé au niveau de la place. Est-ce qu'il est à vous actuellement? Non. D'accord, vous n'avez pas vu la personne qui a pu le garer ou qui est venu se garer non plus. D'accord, bon, bah merci. Et vu qu'on n'est pas forcément dans une ville où il y a beaucoup. Enfin, dans une grande ville où il y a des caméras de vidéosurveillance, c'est un peu à l'époque. On fait du porte-à-porte, on essaye de voir. T'as regardé s'il était fiché? Non, non, il est pas fiché. Pour vol, rien, que dalle. Ok. Comment on va se démerder? Alors, sinon, on va faire un tour dans le centre, hein, vite fait, et on revient. On va aller voir ça. Du coup, PAM 01, du coup, pour PC, du coup, on a pris contact avec un voisin. La voisine a vu aucune personne autour du véhicule. Le requérant est introuvable, du coup, on va faire un petit tour dans le centre-ville, essayer de le trouver. Et sinon, on attendra devant son véhicule le temps qu'il revienne. À vous reçu. Pour PC, c'est bien reçu, du coup, on va essayer de retrouver quand même le requérant. Et puis, sinon, on fera un enlevé par des voisins. Ok, bien reçu. On va couper les bleus, ça sert à rien de toute façon. Sauf s'il est pas là, ça va être vite vu. On va pas s'embêter. C'est embêtant parce que en même temps il risque quand même une amende pour stationnement. Pas gênant pour le coup, mais stationnement interdit donc. On va dire si gênant pour le coup quand même. Pas gênant au sens propre où ça bloque la circulation, mais gênant où il doit pas être si pour le coup. Rien. Y'a personne. Ok, là c'est nos coups. Ici c'est l'hôpital, hein. Je vous le dis tout fait. Par la même occasion. Hop. Hop, tac, tac, voilà. Je crois que c'est l'hôpital, hein. Faut pas que je raconte de conneries. Ouais, cabinet médical. Ah, j'avais peur. Je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé, si je leur dis que c'est un hôpital ou un cabinet, qu'au final c'est un vétérinaire, bon. C'est pas forcément les mêmes soins pour les mêmes personnes. Allez-y. On va aller prendre le traveler et puis on va essayer de chercher le requérant. J'espère que ça va bien. Non, c'est pas ici. Yep. On voit que je connais pas encore la carte. Vraiment pas encore. Et c'est là. Vous voyez, quand vous venez ici, du coup, déjà, il faut faire attention à pas shooter les piétons. Il faut tourner tout de suite quoi.
Hop. Ah là, je vous jure, c'est piéton. Oh, du coup, je voulais choisir. On va peut-être prendre celui-là. Hein. Celui-là, on va le laisser. On va prendre celui-là pour une fois. Allez-y. Hop. Allez, c'est parti. On va aller se le trouver, je vous le dis. Ah, quand je vous dis que c'est dangereux de sortir. C'était pas faux de l'avoir dit. Hein. Allez, on va aller le chercher. On va aller voir. Ah, il fait drôle, tiens. Oui. Allez, ah, attendez, il y a peut-être l'hôtel de ville. Allez, peut-être l'hôtel de ville. Attends, on va aller voir, on va aller voir. Hop, hop, hop. Allez, voilà. Bonjour, monsieur, bonjour. C'est votre véhicule qui est en bas? Oui, bah écoutez, venez, suivez-nous. Ce sera plus simple. Bon, du coup, je vous explique. Du coup, on a été appelé pour un stationnement gênant. Du coup, on vous a pas trouvé. On a essayé de faire le tour. Mon collègue va prendre vos papiers. Et ce sera une verbalisation, du coup, pour stationnement gênant. Hein. Voilà. Il y a plein d'autres endroits pour se garer, comme au niveau de l'hôtel de ville, ou juste à côté. Mais en tout cas, ici, c'est pas, voilà, c'est pas un lieu dit de stationnement. Voilà. C'est une place, il n'y a pas de à essayer de comprendre s'il y a à se placer ou pas. Et puis là, regardez, vous avancez, vous faites 500 mètres, tac, vous avez ici un endroit pour vous garer. Hein. Donc du coup, la prochaine fois, évitez de vous garer n'importe où, ça vous évitera évidemment. Hein. Voilà, je laisse avec mon collègue, allez-y. Pas besoin, du coup on a pris contact avec le requérant, du coup il est au niveau de l'hôtel de ville. Mes collègues sont en train de procéder du coup à une verbalisation suite à la recherche du véhicule. Il n'a pas été volé, le monsieur a son permis, donc du coup un procès verbal est rédigé par mes collègues. À vous parler. Pas besoin, du coup, ouais, bien reçu, du coup pour tout ce qui est vraiment, c'est parfait. On était quand même juste un avertissement, du coup, une amende, et puis là ça va partir tranquille. Ouais, PAM 01, bien reçu. Ouais, parce qu'il n'y a rien dans l'arrière du pick-up, c'est bon. C'est bon pour vous? Ok, bon bah voilà monsieur, sur ce, bonne journée. Ça, ça lui apprendra à pas se garer ici. Ah bah lui aussi il s'est bien garé, tiens. Ah, c'est la journée. On va faire demi-tour et puis on va aller là. Ah bah oui, forcément. Ah bah oui, forcément. Eh oui, forcément. Ah oui, oh, ça bouchonne un peu, ouais. Légèrement, légèrement. On va faire demi-tour, on va essayer de passer, logiquement on passe. Ah, ça commence à créer un petit bouchon. Du coup on est arrivé du coup sur une intervention, du coup un véhicule garé en plein virage, un bouchon commence à se former au niveau de la ville. Du coup on va procéder au contact du requérant et on va lui demander de bouger son véhicule dans les plus brefs délais. Hein, à vous parler. Et ensuite pour pas me avoir, du coup prenez contact avec le requérant, si jamais n'hésitez pas à aller mettre un petit peu de pression pour qu'il pousse plus vite son véhicule. À vous parler.
Bien reçu. Donc ça, faire de se carrer comme ça, comme des nazes. Franchement. Donc ça va faire. Ah, je vous jure. Allez, c'est parti, Zo. Voyons voir. Plaque. Bonjour, c'est la gendarmerie. Excusez-nous de vous déranger. Simple petite question. Le véhicule qui est au niveau du bas de la rue, est-ce qu'il est à vous, celui qui est dans l'angle? Oui. Du coup, ce serait-il. Ouais, il faudra le bouger au plus vite, hein, parce qu'il est en train de créer un bouchon énorme au niveau du village, donc. Vous n'arrivez pas à le démarrer. Ok. Venez avec nous, on va essayer de voir, sinon on appellera un dépanneur. Attends, il est pas tout jeune, le bordel. Pas tout jeune. Bah, je vais essayer de mettre le contact. Hein. Ouais, effectivement. Ok. Ouais, puis on va pas le pousser avec le véhicule. Enfin, je vais pas le pousser avec le. On a pris celui-là avec, ouais, mais bon, j'ai pas. Ouais, surtout que s'il braque pas assez, de toute façon, il s'en passe dans le mur, donc au pire. Bon, on va essayer, hein, c'est pas grave. Ouais, ok. Ah non, on n'est pas dépanneur non plus, hein, monsieur. On va pas non plus chercher les câbles et puis vous mettre un coup de batterie de notre véhicule. On est gendarmes, chacun son métier au bout d'un moment. Ouais. On va rapprocher le véhicule quand même. La catastrophe. Enfin, je vais réessayer. Au pire, il démarra peut-être. Allez. Ah, ça devient un peu mieux. Bon, je bouge en même temps les roues, mais bon. Ah, voilà. Bon, attendez, je vais vous faire ça parce que. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas en état de. Hein, de conduire, vu comme vous l'avez garé. De toute façon, je vous le mets ici. Hein. Ok. Ouais, je vous le mets ici, prenez les clés. On va laisser passer la circulation. Ça va être la merdouille. C'est bon, ça circule. Ouais, il y a même un peu un petit bouchon quand même. Légèrement, les amis, légèrement. 10 ans. Oh, oula, ouais, maintenant ça bouge là. Ok. Ok. Bon,
Mais c'est sur ce, bonne journée. Et puis la prochaine fois, garez votre véhicule autre part. En plus, vous avez une grande cour. Alors, je sais pas pourquoi vous le garez juste en bas. C'est inutile. Inutile. Non, vous n'aurez pas d'amende du coup. Non, pour le coup, non. Votre véhicule est en panne. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Allez, mais par contre, ce sera la dernière fois. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Me garer. Du coup, PAM 01, du coup, nous avons réussi du coup à débloquer le véhicule du requérant. Le véhicule était tombé en panne avec après plusieurs essais infructueux. Ça a marché. Donc du coup, le véhicule est dégagé au niveau de la chaussée et nous reprenons une patrouille normale. Enlever ça. Oui. Oh là là. Pff. Toujours des trucs pas possibles. Bon, elle est drôle, elle de marcher aussi sur la route. Il te fait à la poste. Hop, on va aller voir si tout est long. PAM 01 du coup, PC pour PAM 01, rendez-vous en urgence sur un accident qui a eu lieu il y a quelques minutes du coup, pour SAMU et pompiers sont sur place, vous devez gérer la circulation et prendre en compte les divers éléments qui vont être demandés pour le dossier de, du coup des assurances. Hein. À savoir qu'une personne est actuellement... incarcéré dans son véhicule et que nous attendons du coup les huiliers des pompiers. Ouais, PAM 01 bien reçu, nous y allons tout de suite. Alors. On va aller par là déjà. Ouais, par là, allez hop. Pas du tout. Ouais, c'est le GPS, même lui il s'y perd. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il va pas être par là? Oh, on va faire des bitures, hein, bravo. Il y a déjà les secours sur place, donc à la rigueur, voilà. Plus vite on y est, mieux c'est. Ok, faites demi-tour dès que possible, et bien on va le faire. Dès que possible, allez. Ce véhicule a une patate. C'était pas là.
Parce que si je mêle de ton, on a plus d'oreilles. Hein. Okay. Il a toujours pas bougé son véhicule. Il va y avoir une saisie de fourrière, il va moins rigoler. Pomme The Run, nous présentons sur place au niveau de l'AVP, prenons contact avec les secours, à vous parler. PC bien reçu pour PAM 01, prenez contact avec le secours, établissez un périmètre pour la circulation. On va se mettre là. Tac tac tac, ok. Ok ok. Hop, on va aller. On va essayer de passer, c'est bon, il n'y a personne. Ah oui, d'accord, oui. Ok, d'accord. Ah, ça a bien tapé quoi. Bon, on va pas mettre des connes ici, mais c'est bon, ils ont. Bon, le VSR a fait son job. Ouais, salut, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des infos, vous avez quelque chose? Ouais. Du coup, c'est quoi, une personne qui a freiné, l'autre qui va rentrer dedans? Ok. Vous avez deux personnes, du coup, désincarcérées dans les deux VSAV, du coup. Ok. Y a moyen de faire un test ou pas? D'emprise ou pas de stupéfiant? Non, pas pour l'instant. Ok, bah, tenez-moi au courant, on va aller prendre les premières infos. Hein. Et hop, on va aller voir. Là, on va laisser passer. Allez, allez. Avance, avance. Ok. Il n'y a pas de papier dedans, il n'y a rien. Par contre, il y a pas mal de sang. On va juste compter les traces de freinage. Là, 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 ça a tapé, et puis boum, ok, on prend une photo, pour le dossier d'enquête, ok, pour établir une mise en cause si jamais, je vais voir vite fait. Salut les gars, il y a moyen de faire un test, justement un test d'alcoolémie. Ouais, pour lui c'est bon. Bah, je vais voir juste l'autre VSAV du coup aussi, pour voir. J'arrive. Salut les gars, possible de faire un test aussi d'alcool? Ouais, ok. 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 Allez, refais la circulation, hein. Reste là et puis tu regardes avec ton collègue. En amont, si c'est bon. Moi, je vais faire le test. Hop. On va voir ça. Tac, 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 tac. Bonjour, monsieur, c'est les pompiers. Du coup, je vais vous soumettre un test d'alcoolémie. Du coup, on va faire un long souffle. Vous essayez déjà si vous arrivez. Et quand vous entendez le pip, quand il s'arrête, c'est vous devez arrêter de souffler. Hein. De toute façon, je vous le dirai. C'est tout bon? Allez, c'est parti. Allez-y, 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 allez-y. Encore, 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 encore. Stop. C'est bon. Merci. Ok, lui, c'est négatif. Parfait. Allez, voir là-bas.
Du coup, monsieur, je vous explique si vous connaissez déjà les tilos. Du coup, va falloir souffler, il va y avoir un bip long et continu. Une fois que vous n'entendez plus le bip, vous arrêtez. C'est tout bon? Allez. C'est parti, on y va. Allez, encore. Stop, c'est bon. Ok, ça marche, merci. On va mettre l'embout. Du coup, monsieur, vous êtes positif hein, au niveau du test d'alcoolémie. Mes collègues vont vous transporter à l'hôpital et puis on reviendra vers vous dès que ça ira mieux. Voilà. Non, du coup, il est positif. Hein, il est positif à l'alcool. Hein. Ouais, il est positif. Ah, celui du premier VSAV par contre. Ouais. Le deuxième, non, c'est négatif. Hein. Le premier, c'était qui? C'était celui-là qui avait l'Audi. Ok. Et ben, bon courage à lui hein, pour le coup. Je vais juste mettre ça et puis j'arrive. Okay. PAM 01 du coup, arrivé sur place, on a pris contact avec les pompiers du coup, deux véhicules impliqués, des personnes désincarcérées des véhicules. J'ai procédé à un test du coup de dépistage déjà d'alcoolémie. Il s'avère que la première personne n'est pas sous alcool, mais la deuxième personne effectivement l'est bien. 0,30 du coup au niveau de l'alcoolémie. On prendra du coup plus de détails du coup quand la personne sera sortie de l'hôpital ou sera stabilisée. Voilà. Du coup, t'as encore besoin de nous? Non, c'est tout bon. Ok, pas de son, vous allez partir, je pense, ouais. Ok, pas parfait. Bon, oui, bah, à bientôt, du coup. Bon courage. Bon, j'ai une photo ici. Voilà. Et bien du coup les amis, nous, notre petite vidéo s'arrête ici. J'espère que la petite vidéo vous aura plu en gendarmerie du coup. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis nous on se dit à très très vite pour de nouvelles petites vidéos. Ciao tout le monde.